Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Harvest Moon, un monde à cultiver. Donc je viens juste de démarrer après le sommeil et hop, Doc qui m'appelle. Donc j'ai lancé juste au bon moment. Hey Diablin, j'ai un petit service à te demander. J'aurais besoin de 2 bois de chêne. Alors ça c'est facile. Si tu ne m'aides pas, ça pourrait causer de gros soucis. Bon. Le bois de chêne, je dois en avoir en stock. Il n'y a pas de souci. Et dans les autres quêtes à faire, il y a ce que je pouvais faire, c'était pêcher pour avoir les poissons, les maï-maï, qui sont à pêcher en rivière zone chaude. Donc je ne sais pas trop où je vais pouvoir le faire, mais proche du désert, je vais aller voir. Et puis, il faut qu'on se renseigne sur les sushis pour une quête de l'île maudite. Allez, c'est parti. Donc, du bois, je dois en avoir. Il me semble dans l'inventaire. Du bois de chêne. Donc, il m'a demandé 2. La récolte et je vais sortir les animaux. Lui est toujours pas éclos. Je leur ai remis un peu de nourriture. De toute façon, si vous mangez pas, vous mangerez à l'intérieur. Est-ce que t'as du lait? Non. Allez. Petit coup d'arrosage. Et rose. Ah non, je voulais pas te caresser, je voulais arroser. T'es où toi? Tu vas me gêner. Allez, va-t'en. Qui est encore vide. Voilà, j'ai tout arrosé. Je vais aller vite chercher des graines d'herbe. Okay.
Et il est déjà midi, c'est incroyable. Et je vais aller au... à la plage pour essayer d'aller voir. Elle doit être... vu où est le point, je pense qu'elle doit être... Est-ce que tu as des nouvelles choses à vendre, toi? Confiture, confiture... Chocolat chaud. Non. La quête à l'intérieur. Oui, elle est là. Tiens, salut Diablinte. Tu voulais me demander quelque chose? Pas de problème, écoute. Si c'est sur un sujet que je connais, bah j'espère. Je vois. Sushi, tu dis. Je suis désolé, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. Ah, c'est embêtant. Mais si c'est censé être un plat super spécial, il doit bien y avoir une recette quelque part, non? Tu étais à Wagashi, tu dis. Dans ce cas-là, la recette devrait se trouver quelque part là-bas, j'imagine. Mais elle t'était pas écrite dans ce vieux livre? Ailleurs alors, on pourrait demander à Sana. S'il faut que je fasse des allers-retours. Pas de problème, Diablinte. Vraiment désolé de ne pouvoir t'aider plus que ça. Mais n'hésite pas si tu as besoin d'aide avec ces soucis. Il faut que je retourne à Sana. La télé est chaud. Pain à la confiture, pain. Non mais je voulais le cheval, donc je vais attendre. J'ai 18 000. Alors où est-ce que je peux pêcher par là? Est-ce que j'ai un accès à l'eau? Par ici. Je pourrais peut-être prendre ça au passage quand même. Surtout que je peux en faire des recettes maintenant. Là, il y a un petit lac. Je sais pas si c'est la rivière. Oui, c'est la rivière. Là. Petit maï-maï. Ah zut. Faut que je refasse des appâts aussi. Oh! Si j'arrive pas à attraper un poisson, je vais avoir du mal. Ça va être une sardine? Non. Une langouste. Mmh.
Allez, va franchement dans la zone. Très dur de les attraper. Là, c'en est un? Oui. Il m'en faudrait un deuxième. Quelle heure? 7h30. N'importe quoi. Je suis en train de gaspiller tous mes appâts. Ouais, mais celui-là était trop simple. Ah non. Oh bah impeccable. Juste pour vérifier. Ah, mais j'ai pas été voir Doc. Non, c'est pas là. Holokai, 2 Maï Maï, c'est bon. Donc je les ai, je vais pouvoir lui donner demain. Il faut que j'aille voir Doc. Mais là, il est trop tard. Donc demain, il faut absolument que je pense à faire ça. Voilà. Dans les mains, j'ai quoi? Pas grand-chose. Ça, je sais pas du tout. Ça, je garde. Les Maï Maï, je les garde. Je vais peut-être rien vendre pour l'instant. Je vais aller vérifier avant. Alors, les appâts, je les garde. Ça, je garde. Ça, je vais ranger. Les graines. Dans le frigo. Ça, je les garde pour en faire des recettes. Les œufs, il me semble, je sais plus. Je vais regarder. Bon, ça, j'ai de quoi en faire pas mal. 5, 5, 5, 5, 5. Ah, c'est quoi que j'ai 9 là? Du riz. Ah, c'est 9. Je vais en vendre un peu. Asperges, c'est bon, maintenant j'en ai 5. C'est plus la peine. Ouais, les œufs. Ah oui, mais les œufs, j'ai dit que j'allais en faire des plats. Du lait de coco, du lait glacé, ça c'est, je vais garder pour quand je vais aller dans le désert. Du coup, je vais pouvoir en faire. Café, oui. Il faudra que je retourne en chercher. Ah, c'est pas mal ça. Et c'est tout. Allez au lit.
Ah, j'ai du courrier. Oh, mon enthousiasme. Bonjour, Diamond. Si tu pouvais m'aider à récupérer deux cacaos, ça me serait vraiment... rendrait vraiment service. Ça dépend. Ça donne 5 crevettes. Bon, ça a gardé en tête, ça c'est vrai. Sortir les animaux. Ah, il y a 2 œufs, elle a grandi. Faire un tour dehors. J'oublie Doc aujourd'hui. Je vais commencer. Ah bah, je voulais pas le remplir, mais de toute façon, ça va servir. Je vais aller récupérer encore des graines de... d'herbe et je vais redescendre à pied. Chez Doc. Récupérer des graines au passage. C'est par là, il doit bien y avoir des pommes, oui. On va refaire le plein de graines. J'ai fait ce chemin-là.
Haydock. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner? Du bois de ginkgo. Le rêve. Ah bah, j'ai plus de place. 4. Ah bah si, j'ai encore une page, oui. 4. Et la quête? 4. Oh, c'est parfait. Bon, je vais quand même aller... Je vais enfin pouvoir ouvrir un nouveau passage. Mais ça va me faire 3 lieux à faire en même temps. Bah, vaut mieux avoir plus de choses à faire que pas assez. Je voudrais donner les Maï Maï. Oui, il est là. Ah bah, il est par là. Il est à l'intérieur. C'était pour qui? Ah, c'était peut-être... Alors, tu vas me donner quoi, une nouvelle recette? Ponche aux fruits. Je vais lui... Quel gâteau vais-je préparer? J'arrive pas à me décider. C'est vrai qu'il y avait une histoire de gâteau. Et qu'est-ce qu'elle a comme quête? Du lait à la fraise. Mais je peux pas en faire, moi, de lait à la fraise encore. Gazpacho non plus. Oui, lui, c'est gazpacho. Du coup, je vais retourner sur l'île. Pour aller voir ce qu'elle va me raconter, Sana. Chercher tous ces fruits. Sushi, désolé, mais je ne vois pas non plus ce que c'est. Oh, mais peut-être que lui saura. Lui? Hihi, tu peux revenir ce soir? Il est quelle heure? Il est pas très tard. Je sais pas quelle heure ça veut dire ce soir, mais... Je vais attendre un peu, je vais pêcher. D'ailleurs, enfin, péché, oui, mais... Il s'est téléporté? Ah non, fille pleine de vie. Le vieil homme du restaurant de sushi est mort en s'étouffant avec du riz, qui serait resté coincé dans sa gorge. Ah, c'est ça qu'elle disait ce soir, faut que je voie les... Les morts. Non, mais c'est pas par là, ça doit être dans le village qu'ils sont.
Je vais te montrer le chemin, suis-moi. Le fantôme malicieux. Il y a des moustiques partout ici. Hé, va-t'en, je n'ai pas de sang, je suis déjà mort. Ah, j'ai bien dormi. Hé, on est mort, on ne peut pas dormir, tu sais. Vouloir, c'est pouvoir, même dans la mort. Tu ne comprends pas toujours... Toujours pas mes blagues. Ah d'accord, tu m'as eu là. Ils ont l'air joyeux comme jamais. Je voudrais te présenter le vieil homme autrefois connu comme l'encyclopédie vivante de Wagashi. Il sait absolument tout sur cet endroit. Je pensais qu'il saurait peut-être quelque chose sur ces sushis. Oh, en voilà une bonne idée, Sana. Arrête, tu vas me faire rougir, mais je me demande où il est. Il est toujours par ici, normalement. C'est bien ce que je pensais, c'est lui. Attends un peu, Sana. Tu as une mine splendide. Est-ce que ça va? Oh, rien de grave. C'est juste que j'ai cassé ma pipe après m'être étouffé avec du riz. Et maintenant, même en tant que fantôme, le riz est encore coincé dans ma gorge. Vraiment? Mais tu es sûr que ça va? Mieux que jamais. Je suis juste mort, c'est tout. D'ailleurs, même si ma mort a précédé la tempête, pour une raison que j'ignore, tous les villageois de Wagashi sont revenus, moi compris. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais pas de raison de me plaindre, pas vrai? À vrai dire, on est ici pour te demander quelque chose. Est-ce que tu connaîtrais un plat appelé sushi? Quoi, sushi, dis-tu? Ça fait une éternité que je n'ai pas entendu ce nom. Sushi. Ah si, les sushis, c'est le mariage parfait entre riz et poisson. Donc, c'est un plat à base de riz et de poisson. Mais le poisson, il est grillé, bouilli? Non, pas besoin de cuisson, le poisson est cru. Il suffit de le couper en fines tranches et de le mettre sur du riz. Je ne comprends pas, du poisson cru sur du riz? Et on mélange le tout, c'est ça? Désolé d'insister, mais tu es sûr que c'est tout? Tu n'aurais pas oublié un détail? A priori non, c'est tout ce dont je me rappelle. Désolé ma chère Sana. Quelque chose me dit qu'on n'en apprendra pas plus avec lui. Bon, on a une piste en tout cas. Et si on allait voir Aina, histoire de savoir ce qu'elle en pense? J'en ai combien de riz sur moi? Voilà, on ira voir Aina demain. Retour à la maison. Asperges, oui, ça je sais pas, les pommes c'est sûr. Ça je vais vendre. Non. Le bois surtout pas. De l'engrais, moi j'en ai pas beaucoup, j'en vendrai plus tard. J'ai rien d'autre à traîner, non. Je vais aller ranger ça.
Ah, j'aurais pu garder l'herbe. Ah, il y a des nouveaux. Meunière. Ah oui. Tous les poissons à la meunière. Ponche à la glace. Ponche aux fruits. Ponche à ananas. Ponche à ananas bleu. Ponche rouge, orange. Ok. Et là, pas plus. Donc j'ai pas de boisson en plus. Non, mais c'est bon. Si je voulais prendre les graines quand même de d'herbe, les garder pour les planter demain. Qu'est-ce que je pourrais planter aussi? Du blé. Voilà, allez, je vais aller dormir. Et ça va être la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Et à bientôt. Au revoir.